Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la Prusse, qui est devenue la Confédération d'Allemagne du Nord, ou Germanique du Nord, je ne sais plus, qui est redevenue l'Allemagne. Voilà, c'est mieux comme ça, on voit pas le... pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? Soulèvement Mara. Soul Mara. C'est là? On peut se rapprocher et voir s'ils veulent. Je sais pas, peut-être qu'ils vont me proposer une obligation ou un truc comme ça sur un malentendu. Alors, on était en train de remonter un peu notre solde qui est compliqué. Qui est assez compliqué. Oula, 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 oula. Il y a du pop-up. Hein. Bon, normalement, ils ont prévu une nouvelle mise à jour. Là, j'ai vu ça il y a quelques jours. Ouais, une nouvelle mise à jour qui devrait limiter les pop-up. Enfin, les trucs comme ça. C'est pas une c'est pas une mauvaise chose. Hein. On va pas dire non. Parce qu'il y en a quand même une chier. Hein. Oh la vache. Alors, est-ce que ça, ces territoires, ils appartiennent? Non. Donc on va déclarer de l'intérêt ici. Non. On va déclarer de l'intérêt pour Dniepr. Et pour l'instant on est pas mal. Voilà. Comme ça si jamais quelqu'un vient nous embêter. Et si jamais on ne sait pas quoi faire, on saura où aller. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ouais. Agitation en Westphalie? Ah ouais? Comment ça se fait? Quelques problèmes avec... du fer, des voies ferrées. Alors, je vois que là, si j'ai bien des voies ferrées, vos corps de construction, c'est bon. Ok, ok. Je vais également... certainement aller prendre la Valachie, etc. de suite. Ouais, vu que j'ai une partie de la Moldavie, j'ai la Moldavie allemande. Allemand, pardon. Moldavie allemand. Pas allemand, deux, allemand. Je vais aller la choper tout de suite. Alors. Faire une petite sauvegarde, vous avez l'habitude, ça fera sûrement l'objet d'un let's play narratif. Alors je suis dégoûté, dans mes sauvegardes, j'avais les sauvegardes, juste pour anecdote, hein, du let's play narratif pour la France. Regardez, ça s'arrête en 1906, j'ai perdu 30 ans de sauvegarde, je sais pas pourquoi. Comme ça d'un coup ça... ça a disparu sans prévenir. Et j'ai encore le dernier épisode de let's play narratif à faire. Ça va être galère. Ça va être très galère. Ouais. Ouais, on va retransférer le sujet. Ils ont une obligation, eux. Ils ont une obligation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire transférer le sujet. Je vais obliger la Russie à venir vers moi. Un accord commercial. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, ça m'arrangerait. Parce que s'ils sont en accord commercial... je me dis qu'ils viendront pas m'embêter quoi. Après au pire, j'ai deux obligations hein, là et là qui traînent. D'ailleurs en parlant, enfin en regardant le, là mon solde, je vois que je suis en positif. Donc on va refaire quelques constructions. Du soufre, du soufre, du soufre.
J'en ai quelque part, je sais plus. C'est là où j'en produis? Ouais. J'en produis également en Silésie ou en... Ouais, ici c'est bien. Faire une dizaine de mines de soufre. J'en exporte pas beaucoup. Là, j'en exporte pas beaucoup, ouais, donc il me faut du soufre et des explosifs. Hélas, je n'ai plus assez de travailleurs et de sans emploi ici. On va le faire ici en béquet. Ah, quoi que t'aies une fabrique d'outils en béquet. Non, là c'est pris. Là c'est pas mal. On va faire hop, 10 usines chimiques. Mince, à chaque fois j'en lance trop. Je le sais en plus, à chaque fois je fais la même idée. Modène soutient l'Empire ottoman contre l'Allemagne. Ok. Attitude méfiante. Bon, toi, tu vas quand même me rejoindre au cas où. Voir comment il est très inquiet, tu m'étonnes. Là j'ai un zéro quelque part. La Perse soutient l'Empire ottoman, ok. C'est quand même marrant ça, la Modène. À chaque fois ils soutiennent, mais je sais pas pourquoi. Ils... C'est risqué pour eux quand même. Je vais manquer de généraux. Je vais largement manquer de généraux. QG Sud-Allemagne. Démagogue. Oh la vache. Dans les Balkans, on va faire ça. Je pense qu'il est mieux, hein. Offensif, innovant, géomètre expert. Au Danube. Moins 15% de perte de morale, ça c'est bien. Plus 25% de force politique des bureaucrates. Oh, c'est bien aussi ça. Et au QG Italie, planificateur offensif. Non, je vais prendre lui. Allez, on va leur donner quelques niveaux. Les junkers. 30. Ouais, donc là il est au max. Lui, il est au max aussi. Ah oui, c'est le sud d'Allemagne, lui. Il a de quoi voir venir. 80. Lui, ouais, lui. Impeccable. Alors, est-ce que je dois enlever un autre général? Ouais. 20 Pologne, QG Pologne, c'est lequel? Parce que là, je dois en avoir un 20. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Pourtant, il m'en reste. Danube. Ouais, ouais, c'est parce qu'on est presque. Ok. Bon, on va recruter un autre. Est intellectuel planificateur méticuleux. Oh, ça c'est fort. C'est très fort même. 73 avec Hugo Vorwerk. Oh. Pardon. Voilà. Ah, on va attendre un peu et ensuite on bougera nos unités. Hein. Oui, c'est pas bête ce qu'il fait. Ah bah si, on est déjà en rivalité, c'est bon. Ok. Bon, après il est en train de se faire souiller, donc... Ah oui, il est même en train de se taper contre la France.
Donc normalement, je risque pas grand-chose de la part du français. Est-ce que je peux rajouter un transféré de sujet? Valachie, Serbie, c'est ce qu'il me faudrait. Je sais pas comment ça me fait en infamie. Ah, le dirigeant, il est bandit. Non, pourquoi? Quel âge as-tu? 61 ans. Meurs vite, s'il te plaît. Au niveau des lois, oui, on voit, il y a un truc à faire passer. Travail des enfants restreint. Ça peut être vraiment pas mal, ça. Mais ouais, je vais le tenter, ça. On a un bon niveau, enfin, on a un niveau de vie correct qui va permettre de le faire. Diffusion engrais amélioré, ok, ça c'est bien. Ça me fait utiliser mes engrais, justement. Bon, comment qu'il est très inquiet, ouais. Est-ce que ça vaut le coup de demander un dernier. Demander ça. Ouais, je sais pas. Non, on va plutôt libérer le pays, on va libérer ça. Et libérer. Non, c'est pas ça que je veux. Et libérer eux. Voilà. C'est sûr qu'il y a zéro personne là. C'est que ce délire. Écoute, toi tu vas aller là. Toi. Tu vas aller. Ici, voilà. Ça va me faire deux généraux offensifs. Et toi tu vas aller. Ici. Merci. Trois généraux offensifs. Ok. Ok. Dans le positif, on a quand même plus de 10 000 d'intérêt, hein. C'est beaucoup. Route d'importation de fer, oh la vache, il m'importe 18 ou j'en importe 18, attends. Bah alors. On le fer, ah ouais, il coûte rien chez moi. Ah ouais. D'ailleurs, faible accès au marché. Talalatac. On va vérifier que j'ai assez en moteur. C'est limite. Je vais faire deux usines de moteur. Et je vais faire des accès au marché. Là, je vais faire des deux voies ferrées ici. Pareil en Bohème. Un Saxe, je vais en faire deux également. Et un Galati. Wow. Un Galati, je peux en faire trois. De toute façon, il y a du péon, donc. Galati, pardon. Ok, donc Allemagne, Cracovie, Russie contre Empire Ottoman, Moldavie, Valachie, Modène et Perse. Let us fight like gentlemen. J'ai de l'argent, ça se dépense. Quoique, ici on fait une ici. Je vais devoir faire hop, une dizaine de plantations de soie supplémentaires. Parce que c'est la dèche en soie. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Ça va servir, munitions là. On va pouvoir faire 10. À moins que. On va pouvoir faire 10. Et voilà. Ouais, c'est parce que je devais être en déj d'explosifs. Ouais. Alors, le crime organisé. L'organisation criminelle commence à opérer en Westphalie. Mettons les fonds nécessaires. Ça va servir au même. Je perds de l'autorité. Ouais, mais de l'autorité, j'en ai pas. Hop. Mais j'ai de l'argent. Bon, je n'ai pas non plus. Il est décembre, mais j'en ai. Tac. Et ouais, non, la journée en cours. Et du verre. Ouais, on va le faire ici, du verre à Brandebourg.
points ferrés et 12 verreries. Voilà. Ici, à Modène. Modène est tombé. C'est parfait. Là, on n'attaque pas. Pas encore, du moins. Eux, s'ils sont barrés, d'ailleurs. J'ai aucun. Ah si, ça y est, d'accord, ils sont là. Bon bah là, je vais pas aller là, je vais préférer aller ici où il y a personne pour défendre. Hop, ça, ça va tomber tranquille ou bilou. Il s'est fait bouffer des territoires par la Valachie, sérieusement. Il est nul. Non mais... Faut abuser aussi. J'avais pas vu. Les rivalités sont rompues. L'Empire ottoman qui rompt ses rivalités avec beaucoup de gens. Ah ouais, vraiment beaucoup de gens là. Oh la vache. Oh, mais il était rival avec tout le monde, c'est pas possible. Ok, ça on l'a. Là on est en train de remonter, donc ça va le faire. Pacte défensif. Oui. C'est pas la France qui va se faire attaquer. Hop là. Marché. Non, comment au budget? On a tout au max. Hein. Tu m'étonnes. Et tout au minimum là aussi. Ah ouais, mais ça, ça va gêner les salaires militaires. Ouais. On peut faire quelques meubles apparemment. Allez, on va faire quelques meubles. La soie, elle est faite ou pas? Ah, la soie, elle était faite. Bon, on va refaire. Et au pire, ça s'exportera, la soie. Il n'y a vraiment pas de problème. Je pense pas que ce sera un problème. Au contraire. On a plus de voie ferrée, faut pas déconner. Ok, tout ça c'est en train de se faire. Des routes commerciales improductives. Bon. C'est tombé d'un sens. Ok, ok, ok. On va faire ça. Voilà, là c'est en train de se fight. C'est bloqué là. Je sais pas pourquoi là ça bloque, c'est une bataille bloquée. Là. Mince, j'ai débloqué un truc. Est-ce que c'était en gré amélioré? Enfin, je pense. Qu'est-ce que je pourrais débloquer? Non. Travail posté, ça, ça va être bien. Augmenter les économies d'échelle. C'est-à-dire que... Alors, les économies d'échelle, qu'est-ce que c'est? Hop, pour ceux qui savent pas, on va aller à un endroit où il y a beaucoup d'entreprises, en Westphalie. Ouais, c'est pas trop mal. Ou alors même là. Ce sera peut-être plus parlant, un endroit où il y a vraiment beaucoup de... Ouais, bah c'est vraiment la Westphalie. Ok. Bah, les économies d'échelle, hop, vous pouvez voir ça ici. Capacité de production. Vous avez économie d'échelle, c'est-à-dire que plus haut niveau va être votre usine, votre ferme, etc. Mine, ça marche pour tout. Plus vous allez avoir un bonus d'économie d'échelle, c'est-à-dire à chaque niveau, en général, c'est 1%. Et ce niveau est capé, je crois, à 30, ou, enfin, est capé, c'est-à-dire il a un pourcentage maximal, et la technologie que j'ai fait qui augmente le niveau d'économie d'échelle va augmenter ce pourcentage maximum. Imaginons que là, le pourcentage maximum, c'est 30%, je fais la technologie, et je débloque 50%, c'est-à-dire que pour les mêmes matériaux entrants, pour le même nombre d'employés, enfin, pour tout pareil, je produis plus. C'est-à-dire, par exemple, là, pour tout ça qui rentre, au lieu de produire 2430 explosifs, et ça, bah là, je produirais, par exemple, 3000 explosifs à terme. Ce qui est très fort.
Oups. Comment que ça se passe ici? C'est long, hein? Je gagne, je perds, je gagne. Ok, je gagne quand même. Voilà. Ok, waouh, ouais, toute la Bosnie s'est faite bouffer d'un coup là. Foum, ça a fondu. Alors, j'ai pas quelques généraux dans le coin là qui s'ennuient. Il est parti où? Il s'est barré où? Attends, il s'est quand même pas barré là-bas? Il est en train de se faire bouffer ce coup. 45? Ah non, tout le monde est en train de faire ce qu'il faut. Là, ça avance, tu m'étonnes, ça avance à 140 contre 0. On peut pas passer ici, tiens non. Donc tout le monde y est, ok, d'accord. Ça fait. Ah! Tiens non. France radicaliste. Ouais, le Modène qui a abandonné, hein, forcément. Je vais me rapprocher d'eux. Ah mince! C'est même plus un rapprochement là, je suis obligé de les aider quoi. Je vais devoir les mobiliser, je vais me mettre en défense ici. Faudrait pas que ça m'arrive dessus. Ouais, je vais me déplacer là-bas. Je peux pas défendre l'île de France. Et perdre sa capitale, ça va être mal barré, hein. Quelle idée. Va être compliqué ça. Un célèbre dramaturge en faveur de la réforme, ouais. Voilà. On a de l'argent, on a de l'argent. Tant soit levé, oui, mais ça c'est là-bas, ok, mince. En train de voir, mais j'ai beaucoup plus de. Non, je me suis trompé. Venez ici. C'est en train de se faire. Un Saxe. C'est en train de se faire aussi. Ok, d'accord. Bon. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Au niveau du marché, je suis obligé de le faire goutte à goutte. Là, je peux pas tout lancer. C'est ça qui est embêtant. Parce que sinon, je suis beaucoup. Très, très beaucoup. Sinon, j'ai un gros déficit. Waouh, wow, comme le bois. Ah oui. Et bah hop, là en Bohème, en Galicie, en Transnubie et en Galatie. Là ça avance tout seul. Il a reperdu sa capitale en plus lui. Ouais, les intérêts, ouais, tu m'étonnes, il a perdu plus de la moitié de son territoire. Pour le Nil, ok. Alliance. Comment dire? C'est pas que je veux pas, mais non, non, tu me donnes pas d'obligation, donc. Oh le salaud, il s'est barré. Hein? Oh le salaud, comment qu'il s'est barré, dit. Ah bah bravo. Les États-Unis d'Amérique qui fuient. Ok. Grande partie de l'Empire ottoman est tombée. Hein. J'ai personne sur ce front? Bah attends, regarde, hop, tour de magie. Alors j'en ai un à côté de l'autre. Ah non.
Ouais, s'il y a bien du monde sur celui-là. L'éventreur au meurtre sordide. Le journal Guardian fait état d'une série de meurtres sordides en Brandebourg. D'après l'article, la police est incapable de mettre la main sur l'assassin, qu'il surnomme déjà l'éventreur de Berlin. Ah oui, t'inquiète pas, il va venir devant la justice celui-là. Je me posais une question, est-ce que au niveau des États, lesquels sont encore incorporés? Si oui, combien de temps? 3 ans. Ah oui, quand même. Ah, la Suisse importe de la soie de Vénétie. Vénétie. Ah, je renverse les TSC, tiens. C'est à l'ancienne. Tiens, j'ai plus assez de bureaucratie, moi. Comment ça? Bon. Bah, en Transnubie. Transnubie. Oh, c'est pas vrai. je vais faire 10 administrations gouvernementales. C'est quoi ça? Ouais. Attends, j'en ai, il s'est foutu en état d'alerte. Comment ça? Toi, t'es pas mobilisé? Toi, t'es mobilisé? Mais alors, qu'est-ce que tu fous là, toi? Il va falloir avancer le front français, hein. Et là, je peux pas aller. Je peux pas y aller là, moi. Ok, lui il est pas mobilisé, très bien. Bon, par contre toi, tu peux t'avancer, je vais pas dire non. Voilà. Ouais, mais tu m'étonnes. C'est déjà barré. Bon, et là j'ai un peu d'attrition. Mais non, c'est quoi ce port de traité là? Il va falloir que je le reprenne après. Là, il est à 43,7 l'Ottoman. Ouais, il est en train de baisser, c'est bien. La France radicaliste versus la France et l'Allemagne. Bon. Il a perdu l'Île-de-France. J'ai bien l'impression. On va voir ce que ça va donner sur les autres fronts. Là, il va essayer de le pousser, mais normalement, je le garde. Donc, je sais pas lequel des deux attaque. Oula. Ah ouais, non, mais ouais. On a 25% là, vraiment. Ouais, je prends un moins 10 en attaque, quoi. J'arrive pas à percer leur défense. Mais je sais pourquoi j'arrive pas à percer leur défense. C'est à cause de ça. Hop. Ça ira mieux. Manque de céréales. Ok, j'en exporte ou pas? J'en exporte presque pas. Ok, on va faire en Bohème. Je suppose qu'en Bohème, je vais également devoir faire. Oh, ici des voies ferrées. Ah bah du fer, là où j'en avais beaucoup, j'en ai déjà plus. C'est fou ça. C'est attends, sérieux? J'en exporte ou. Bah, même pas tant que ça. Oh, la consommation de fer que j'ai fait en quelques tours, impressionnante. Ah, mais oui, mais si. Plus j'ai de construction, moins j'ai de fer. Ouais, bah oui. Là, par contre, oui, voilà. Je me disais que j'avais le fonds d'investissement qui, pour l'instant, avait ce qu'il fallait, mais pas longtemps. Eh, la France qui arrive à prendre le meilleur sur la France radicaliste. D'ailleurs, j'ai pas un amiral. Si j'ai une flotte.
Ouais, j'ai sacrément de la flotte même. J'ai récupéré toute la flotte autrichienne. Trop bien. Trop bien. On va promouvoir. Je vais voir si je peux tenter une invasion navale. Intercepter, intercepter. Intercepter, mais pas tant que ça. Et là ensuite, en soi, elle est interceptée, mais. Mais il y a moyen. Allez, vas-y, le prince Friedrich. Ok, là, le front, il n'en fait plus qu'un. Donc, je vais prendre ça, et toi, je vais te dire. Je vais passer en offensif. On a bientôt fini avec. Avec l'Ottoman. Ah, ça sera un épisode plus long, là, j'ai bien peur. Je veux finir. Voilà, je veux finir avec. Avec ces deux guerres avant de. Avant de clore l'épisode. Oh, là je vais avoir besoin. Quelques voies ferrées. En Vénétie, normalement, j'en ai lancé. Hein. Pas assez. Et on va faire trois usines. Toujours les explosifs qui sont chers, hein. C'est fou. Hein. Ah ok, ils sont en recrutement. Ouais, mais ils sont en recrutement, mais c'est ça aussi qui fait que ça galère en fait. C'est vrai que c'est les engrais, moi, qui me posent problème. Bah attends. Attends, je suis bête, mais... Voilà. Je peux les utiliser maintenant, les engrais. Voilà. Donc là, ça va faire du bien. Ok, là, on s'est intercepté, mais normalement, on a l'avantage, on a une meilleure flotte, enfin une... plus nombreuse du moins. Alors, ok, ok, ok. Donc, pourquoi? Oh l'enfoiré! Il a libéré les deux pays. Il a libéré les deux pays avant d'accepter. Oh, alors ça c'est... Non, ça c'est dégueulasse. Bon, au moins je l'aurais libéré. La Bosnie-Herzégovine et la Bulgarie. Mais ce qu'il vient de faire, c'est moche. J'ai déclaré l'intérêt là. Voilà, si, j'irai lui repéter la tronche un peu plus tard. Et je vais pouvoir mieux libérer les gens ici. Alors, travail des enfants restreint. Donc j'ai moins de mortalité de fermier parce que j'étais à 5%. Moins de mortalité d'ouvriers et de paysans également. J'ai plus de revenus des personnes à charge. Ok, et je peux augmenter l'investissement dans l'éducation. Ouais, mais là j'ai pas assez. Bah, je vais aller en Saxe. Et je vais faire. C'est où? Ah, il doit déjà en avoir, ouais. Trois administrations. Et je vais aller en S. Et je vais faire 10 administrations. Voilà. Là, ça va se passer. Là, c'est compliqué pour lui. Comment ça se passe d'ailleurs à ce niveau-là? Ok. Otto von Bismarck, il est adoré lui. Ça qui est bon. C'est-à-dire s'il pouvait prendre la tête à la place de lui là. Il est haï, il est bandit et ça c'est embêtant ça. Peut-être ce que je vais faire, hop, c'est que je vais le recruter un autre amiral en QG Italie. Oh il est bon lui. Oh la vache. Mobiliser. Ah mince, j'ai pas promis le bon. Alors
se tenter une autre invasion navale, mais cette fois en Bretagne. Voilà. Comme ça, on va en avoir une double. Voilà, on a une première invasion qui est passée au niveau de Cherbourg, au niveau du département de la Manche. Voilà, là on arrive un peu dans l'Orne et dans le Calvados. On va pas attaquer, on va rester sur la défense maintenant. On lui attire des troupes autre part. En vrai, il faut pas beaucoup plus, hein. Je vais quand même renvoyer quelques défenseurs parce que ils sont en nette infériorité numérique. Pourquoi il attaque lui, mais qu'est-ce qu'il y a? Ok. Tac. Ok. Encore du soufre? Non. Ah bah si. Non, là je peux pas ici. C'est. Ça serait pas bon. Sachant que j'ai déjà des bâtiments en construction, que j'avais plus beaucoup de paysans. Ça aurait pas été une bonne affaire. Alors, au niveau du journal décision, pantage de l'isthme de Suez. Oui. Ça me coûterait combien? Ah, beaucoup de bureaucratie. Pas tout de suite. J'ai pas vu la bureaucratie, autant pour moi. Bon, là, comment ça se passe là? Ça se passe pas bien. Hein. J'ai beaucoup de pertes. J'ai énormément de pertes en. En cette guerre. Ouais. Lui, il arrive quand? Bientôt. Ah, c'est bizarre, j'étais pas censé me faire intercepter. Bon, on n'a rien vu. Là, comment ça se passe? C'est pas bon non plus, hein. Oula. Un don de connaissance, c'est une idée merveilleuse. Dans tous les cas, c'est moins 10% d'autorité. Ça reste raisonnable. Voilà, on a une deuxième. On a un deuxième point de débarquement. Voilà, j'espère que ça va pas faire le lien ici là de suite, sinon ça me fait un front commun et je veux pas. Je veux profiter d'un. Ah non! Pourquoi ça est là? Clute. Une autre invasion navale, on va tenter autre part. Hein. Un pays de la Loire. Après, ça force un grand déplacement. Là, on a une forte supériorité numérique, mais ça galère. Hein. On n'a pas l'avantage. Hein. Bon. Du soufre, c'était fait. Du vert. Un Brandebourg. En même temps que ça d'ailleurs, voilà, ça devrait être bon. Un en vent, ah, un en vent, c'est pour ça. Du charbon, oui, on a besoin. Hop, on en a fait un peu partout. On a de moins en moins de problèmes, ça c'est cool à régler. Là, on la gagne normalement. Je sais pas où est-ce qu'on a gagné, mais on a gagné quelque part. Non, ils se font trop attaquer.
Oh, on a gagné un. Et là, sinon, ça avance plus. Si, ça avance peut-être. Ok. Ça avance dans la région. Là, ça va pas gagner. Oh là là. 29 attaques. Et B. Comment ça se fait? D'accord, c'est que les Français qui ont attaqué. Ils ont pris une douille. Bon, hélas, l'épisode est très long, donc je vais l'arrêter ici. Ben, on continuera lors du prochain épisode. Voilà, ben, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve tous les lundis, mardis et jeudis à 11h pour les épisodes de Let's Play, tous les vendredis 15h pour les épisodes de Let's Play narratif, le mercredi et le week-end pour quelques épisodes spéciaux. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao!